Je vous assure que quand on a fermé les grilles, il y avait une énorme émotion, une énorme tristesse. Et les gens, maintenant, attendent la réouverture de ce casino avec beaucoup de bonheur. Pendant cette longue période, on a dû redéfinir l'intégralité du casino de Monte-Carlo, à savoir en premier lieu le placement des tables, puisqu'on a dû écarter l'ensemble des tables. Il y a aussi la logistique qui concerne la télésurveillance, il y a aussi toute l'électronique qui prend part à ces tables.